Pour vous, qu'est-ce que l'agroécologie ? Bonne question, je ne sais pas. Une agriculture raisonnée, sans produits phytosanitaires. Les semis directs et techniques culturelles simplifiées. Préserver les réserves naturelles. Garder la matière organique du sol. En résumé, on peut dire que l'agroécologie est l'ensemble des pratiques des techniques agricoles qui utilisent les propriétés écologiques des écosystèmes dans le but de produire des denrées alimentaires. Un des principes de l'agroécologie est basé sur l'association des cultures. La foresterie fait coopérer des espèces d'arbres avec d'autres cultures comme l'orge et le peuplier. Les arbres protègent les cultures du vent et favorisent la présence des auxiliaires de culture. Les feuilles servent à apporter de la matière organique au sol. On a donc deux productions sur une même parcelle qui recréent un écosystème. La culture du millepois est un autre exemple de coopération entre végétaux. Inventée en Amérique du Sud par les Aztèques, cette technique consiste à associer trois cultures différentes, à savoir maïs, courge, haricots qui s'entraident. Le maïs sert de tuteur aux haricots grimpants, les courges gardent l'humidité à la surface du sol, quant aux haricots, ils captent l'azote nécessaire à la croissance du maïs. Trois récoltes sont ainsi produites. Ces techniques ne nécessitent pas d'utilisation d'intrants, ce qui rend l'agriculteur autonome et indépendant des prix du marché. Parce que l'agroécologie permet aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Parce que l'agroécologie favorise la biodiversité, préserve l'environnement et respecte les terroirs. Allez pour nous, l'agriculture de demain.